et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode, je vous propose qu'on discute de comment atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, comment commencer l'année en douceur et parvenir à lâcher prise. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration. Je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui Je serais très heureuse de savoir comment vous allez, comment vous sentez pour ce début d'année. Euh, J'espère très bien. Et j'avais envie aujourd'hui de vous faire un court épisode court mais important, court mais primordial par rapport aux objectifs, parce que je sais que en début d'année, très nombreuses sont les personnes qui se fixent des résolutions, des objectifs, etc., etc. Je suis pas contre les résolutions, même si je sais que c'est un peu tendance d'être contre les résolutions. Je ne suis pas non plus à fond résolution parce que je trouve que ça sert à rien de se poser 15 000 résolutions qu'on va tenir pendant trois semaines. Je trouve que c'est important de se fixer des objectifs et que c'est important. J'aime bien faire le point et, et euh, sur l'année euh, précédente et se, se, se mettre en vue de nouveaux objectifs ou de nouvelles choses qu'on a envie de, de créer dans notre vie, en fait, tout simplement. Mais j'ai quand même envie de revenir sur qu'est-ce que c'est que les objectifs, comment est-ce qu'on va les atteindre et surtout, j'aimerais aujourd'hui vous apporter hein, une perspective différente pour que vous puissiez mieux vivre. L'atteinte de vos objectifs pour que vous sachiez aussi mieux recevoir le résultat de vos objectifs et que vous puissiez mieux co-créer quelque part avec l'univers. Voilà. En fait, l'idée, je pourrais résumer tout cet épisode en une seule prise, l'idée c'est d'arrêter de se focaliser sur l'objectif et de se focaliser uniquement sur le processus. Voilà, j'ai tout dit. En gros, j'ai tout dit. Le principe en fait, c'est de parvenir à lâcher prise sur le résultat. Alors, les objectifs. Moi, je, je suis convaincue que c'est quelque chose qui est important dans la vie, que c'est important d'avoir euh, des objectifs parce que ça nous permet d'avoir une vision, ça nous permet d'avoir de la clarté. Si j'ai pas de vision, si j'ai pas de clarté de là où j'ai envie d'aller, je peux pas faire des choix aujourd'hui dans le moment présent qui sont en alignement avec la vision que je veux, euh, la, ce que je veux créer dans le futur, en fait, tout simplement. Donc l'idée, c'est d'avoir des objectifs qui sont précis, qui sont mis en place, qui sont euh, écrits. Les meilleurs objectifs c'est toujours ceux qui sont bien bien placés, qui sont euh, écrits, rédigés peu importe de manière smart. Donc j'avais fait un épisode tout entier sur comment est-ce qu'on définit nos objectifs smart. Donc smart c'est l'acronyme pour spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Allez écouter l'épisode là-dessus. L'idée, voilà, c'est d'avoir des objectifs qui sont bien placés pour qu'on puisse ensuite avoir les gestes, mettre en place des actions en conséquence, mettre en place des actions, faire aussi des choses, être aussi en conséquence. Cependant, l'idée, c'est certes de les écrire, de les rédiger, de voilà, de mettre en place vos objectifs SMART. Mais mon conseil. Aujourd'hui, c'est de vous dire ensuite, vous les mettez de côté et vous arrêtez de vous concentrer sur vos objectifs. Une fois que vous avez écrit vos objectifs, donc par exemple moi, mon objectif de l'année, ça va être de sortir euh, ce fameux programme de conscience que je suis en train de vous créer parce que euh, j'ai vraiment envie de pouvoir vous aider là-dessus, surtout cette expansion de conscience, de reconnexion à soi. J'ai l'écriture de mon livre, donc et la publication de mon livre aussi bien sûr. J'ai le coaching avec euh, auprès d'entrepreneurs. Donc, l'ouverture de mon mastermind et une formation pour entrepreneurs aussi que, qu'on me demande depuis des années. Ça, ça fait partie de mes objectifs. Alors, je prends en termes de business, mais ça pourrait être, ça pourrait être plein d'autres, plein d'autres domaines de ma vie. Par exemple, j'ai l'objectif de passer un autre niveau en apnée, encore. J'ai des objectifs dans le perso, dans le pro, j'en mets un petit peu partout, etc. Mais ensuite, une fois que mes objectifs sont fixés, moi, je les mets de côté. J'arrête d'y penser, j'arrête de me dire, il faut que je fasse ça parce qu'il faut que j'atteigne ce résultat, il faut que j'atteigne ce résultat, il faut absolument que mon livre sorte, il faut absolument que mon programme sorte, il faut absolument que ma formation sorte, il faut absolument que j'ai mon niveau de plongée, il faut absolument que je fasse ceci ou cela. En fait, plus je suis focalisée sur le résultat que je veux atteindre, plus je suis en train d'essayer de contrôler ce, ce résultat, de contrôler... Toute cette espèce de magie que l'univers a pour nous, mais aussi essayer de contrôler en fait tout ce qui va être en train de m'arriver. Que ce soit des discussions, que ce soit des actions, que ce soit des résultats que je suis en train de produire, etc., etc. Plus je suis concentrée sur l'atteinte du résultat que je me suis fixé, plus je risque de créer de la frustration si ça va pas aussi vite que ce que je voudrais, de créer de la fatigue si je m'arrache à vouloir absolument faire en sorte que ce résultat arrive, de la tristesse, de la déprime, de la frustration, de la colère, bref une émotion très désagréable si jamais ce résultat ne se produit pas. Et surtout, plus que tout, je suis convaincu que plus je suis en train d'essayer de contrôler ce résultat et d'être focus absolument sur ce résultat, moins il y a de chances que ça arrive. Moi, j'ai remarqué que tous les objectifs que j'ai atteints dans ma vie, c'est des objectifs que j'avais écrits sur un carnet en début d'année et qu'ensuite j'ai complètement oublié parce que je les ai complètement mis de côté et j'y ai plus jamais pensé. Et à chaque fois, tous ces objectifs dans ce carnet-là se sont, se sont euh, réalisés en fait. Donc, c'est même pas des vœux, c'était vraiment des objectifs. Et ça s'est réalisé. Quand je vois le nombre de choses qu'on est capable de réaliser en une année, je me dis c'est sûrement ça le moyen aussi que ça se réalise, c'est de se foutre un petit peu la paix par rapport à nos objectifs. Donc, génial d'en avoir, mais ensuite, oublier l'atteinte de ces objectifs, mettez-les de côté et concentrez-vous plutôt sur tout le process. Donc quand je dis le process, on peut dire aussi le chemin. Concentrez-vous sur le chemin sur lequel vous allez marcher jusqu'à ce résultat-là. Ne regardez pas ce résultat-là, concentrez-vous sur le chemin. Donc lâchez prise sur le résultat et plutôt mettez votre attention sur tout ce qui est déjà là. Mettez votre attention sur le processus, apprendre à kiffer le processus. Donc quand je dis kiffer, c'est vraiment apprendre à apprécier vraiment, apprécier, aimer, découvrir, s'autoriser tout le processus que vous allez vivre. C'est un petit peu comme si moi mon objectif c'est de faire publier ce livre à propos de l'amour de soi et honnêtement je suis, enfin, je, pour moi c'est un big projet parce que j'ai très peur d'écrire ce livre mais j'ai très envie de le faire. Je fais le choix de l'amour au lieu de la peur, je le fais. Et ça fait trois ans que je que je suis contactée par beaucoup de maisons d'édition pour écrire un livre. Trois ans qui m'arrive que des soucis à ce niveau-là. Je me suis fait lâcher par deux maisons d'édition juste avant la remise de mon manuscrit alors que j'avais passé des heures, des jours, voire des semaines à écrire les premiers bouquins. Parce que du coup, j'en ai écrit plusieurs depuis. Il m'est arrivé ça. Ensuite, il m'est arrivé que j'étais complètement perdue. Je savais plus du tout ce qu'il fallait que j'écrive. J'ai jeté mon ancien manuscrit. Ensuite. J'ai eu tellement peur de me dire, c'est impossible que je sorte un livre parce que euh, j'évolue vite dans ma tête, entre guillemets, et euh, dans trois ans, ce que j'ai écrit dans ce livre, ce sera plus valable, ce sera complètement obsolète. Donc, je peux pas le faire parce que sinon, je vais écrire que des conneries. Donc, il y a eu tout ce truc là. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est tout simplement parce que j'étais focalisée sur le résultat. Et pour moi, l'objectif de ce livre, c'était d'écrire un livre qui soit publié, qui soit lu et qui soit apprécié. Et ça, pour moi, c'était mon objectif. Et j'avais donc, je l'avais mis de manière smart, etc. Et au lieu de le mettre de côté, ce, cet objectif de mettre de côté ce résultat, j'ai fait que focaliser sur le résultat. Donc avec euh, avec un gros syndrome de l'imposteur, un gros syndrome du perfectionniste, avec euh, en fait avec aucun plaisir dans tout ce qui était euh, processus. C'est-à-dire que ça me faisait ça me faisait suer d'écrire. J'avais peur quand j'écrivais, je procrastinais, je voyais bien qu'il y avait un truc qui allait pas avec le processus. Et là, ce qui est en train de se passer depuis euh, quelques mois, donc euh, c'est complètement l'inverse. C'est qu'en fait, je me suis dit, attends, Chloé, fiche-toi la paix. Là, ce résultat de livre que tu veux sortir, qui va être apprécié, qui va impacter des vies, etc., juste mets l'autre côté, oublie-le, en fait. Et focalise-toi sur le processus, le chemin que tu dois emprunter pour que ce résultat-là arrive. Ben moi, le chemin pour ce que ce livre sorte, c'est qu'il faut que j'écrive ce livre. Et si je kiffe pas le processus, si je ne kiffe pas écrire ce livre, ça ne sert à rien que je le fasse. Je vais le faire, je vais être super mal, je vais sortir même pas ce qu'il y a de meilleur en moi, euh, je vais pas forcément apprécier le résultat. Donc en fait stop, je laisse tomber le, le résultat. Euh, je me donne pas de deadline, je me donne pas d'impact, je, je sais même pas comment le livre va s'appeler. Mais par contre je l'écris et qu'est-ce que j'aime écrire Et qu'est-ce que j'aime écrire Et je prends, je prends le temps, j'ai énormément d'inspiration, j'adore tout le processus que je suis en train de vivre, qui est de ah oh, je vais creuser à l'intérieur de moi, je me demande comment j'applique ça, comment j'applique ça, comment le lecteur va le prendre. Comment est-ce que ça va pouvoir impacter sa vie? Comment est-ce qu'il va vraiment l'appliquer? Comment ça va résonner dans cette personne-là, de cette personne-là, etc., etc. J'adore le processus. Et c'est, donc là, je vous donne un exemple qui est très concret parce que euh, l'écriture d'un livre, je trouve qu'on distingue bien le process du résultat. Mais c'est, en fait, c'est comme ça pour, pour tous les objectifs que vous vous fixez. Apprenez à kiffer tout le processus, sinon ça n'a aucun intérêt. Fixez-vous un objectif avec certains résultats à atteindre, vous mettez de côté tout ce résultat-là, vous lâchez prise sur le résultat, parce que finalement, ce qui importe, ce n'est absolument pas que vous réussissiez à atteindre cet objectif, ce n'est absolument pas que vous ayez ce résultat dans votre vie. Ce qui compte, c'est que vous appréciez le processus que vous êtes en train de vivre, le chemin sur lequel vous êtes en train de marcher, et que vous sachiez l'arpenter, cheminer dessus avec... Plaisir avec saveur, en dégustant, en apprenant, en observant, en grandissant, en évoluant. Ça vous permettra tout simplement de passer d'un état d'esprit de pénurie à un état d'esprit d'abondance. Pourquoi Parce que quand je suis focalisé sur le résultat, je suis aussi focalisé forcément sur la pénurie. Il faut que j'atteigne absolument ce truc-là parce que si je l'atteins pas, comment je me sens Et puis si je l'atteins pas, mince mince mince, c'est que j'aurais raté quelque chose et ce que j'aurai une sensation d'échec. Il faut que j'atteigne ce résultat-là parce qu'aujourd'hui, ce résultat, il n'est pas encore là. Quand je me sens comme ça, quand je réfléchis de cette manière-là, je suis focalisée sur la pénurie, sur le manque. Alors que quand je suis focalisée sur le chemin, je suis focalisée sur l'abondance en me disant, en fait, en fait, tout ça, c'est déjà là parce que même si au final, mon livre, il sort pas, j'aime tellement l'expérience que je suis en train de vivre d'écrire, écrire, écrire. écrire. J'aime tellement ce que je suis en train de vivre. Donc, vraiment, il y a ça, c'est ne pas oublier l'objectif qu'on s'est fixé, bien sûr, mais mettez-le de côté, lâchez prise totalement dessus et ne pas focaliser dessus, mais focaliser uniquement sur ce qui est déjà là et ce que vous êtes en train d'expérimenter dans la réalisation de cet objectif-là. Au niveau plus énergétique, moi, je suis aussi convaincue qu'en fait, le fait de mettre toute son attention sur le résultat, c'est mettre toute son énergie sur le résultat. Et c'est mettre son énergie sur quelque chose qui n'est pas encore arrivé, qui n'est pas là, sur le futur, quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser. Et vous mettez tellement d'énergie sur le résultat que vous ne mettez pas du tout d'énergie dans le process, dans la réalisation de tout ça, ça bloque l'énergie, il n'y a aucune fluidité, en fait, ça, ça bloque la vie quelque part. Vous pouvez aller écouter le podcast S'incliner face à la vie, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, en fait, plus je mets d'énergie, donc mon attention sur le résultat, donc rappelez-vous, là où je mets mon attention, c'est là où je mets mon énergie. Plus je mets mon attention, donc mon énergie sur le résultat, moins j'en mets sur le processus en fait. Et si j'en mets pas sur le processus, est-ce que j'attendrai ce résultat Non, absolument pas. Donc l'idée c'est de mettre beaucoup plus d'attention sur le processus, le chemin. Qui dit plus d'attention dit plus d'énergie. Rappelez-vous, là où je mets mon attention, c'est là où je mets mon énergie. Et si je mets toute mon énergie dans ce processus, le résultat importe peu. Parce que j'aurais tellement kiffé, j'aurais tellement appris, et il y a tellement d'autres belles choses qui vont se créer, et parfois même en mettant toute son énergie sur le processus, il y a tellement de belles choses qui se créent derrière, encore mieux que ce qu'on aurait espéré. Et moi je suis sûre que c'est ce qui va se passer. Et puis surtout, je suis meilleure du coup dans le processus, je suis meilleure sur le chemin. Moi je sais que je suis bien meilleure dans mon écriture de livre maintenant parce que je mets toute mon énergie et mon attention dans, dans l'écriture, dans le processus que je suis en train de vivre plutôt que le résultat. Honnêtement, c'est pas grave si mon livre sort pas maintenant, cette année, pas de cette manière-là, pas avec cette maison d'édition-là, etc. C'est pas grave. Mais là, mon énergie est tellement sur le processus que du coup, je suis encore meilleure dans l'écriture parce que je suis plus dans le flow, je suis beaucoup plus dans la créativité, je suis beaucoup plus dans mon intuition connectée à mon cœur. Donc, l'attention moins sur le résultat, mais plus sur le processus. Ainsi dire, du coup, vous allez mettre beaucoup plus d'énergie. Et puis au-delà de ça. Euh, le fait de vouloir absolument contrôler le résultat de vouloir le contrôler le verrouiller le maîtriser alors que vous n'avez pas de contrôle dessus ça casse complètement en fait la fluidité de la vie la fluidité de l'énergie et du processus je dirais que ça casse complètement même la fluidité de la loi de l'attraction de, de la loi de la création du processus de création de manifestation en fait avec une tentative de contrôle on est en train de résister on est en train de résister à, à ce qui se passe, on n'est pas du tout en train de s'incliner face à la vie, on n'est pas en train de faire couler euh, la vie avec fluidité dans ce qui est en train de se passer. Si je veux absolument ce résultat-là, je suis en train d'essayer de contrôler. Et peut-être que c'est pas du tout là où je vais aller, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer entre maintenant et la date que je me suis fixée. Donc au lieu de contrôler, je vais laisser couler aussi la vie avec plus de fluidité. Je vais apprendre à beaucoup plus apprécier le, pro le processus. Et à partir du moment où les choses deviennent beaucoup plus fluides... C'est à ce moment-là que les choses se créent et que les choses se déroulent. Gabrielle Bernstein, elle en parle beaucoup dans son livre « L'univers veille sur vous », elle parle même de sa grossesse comme ça. Donc c'est juste incroyable le fait qu'elle parle de sa grossesse avec, avec cette idée-là. Elle, elle dit qu'elle a essayé de, de tomber enceinte pendant des, des mois, des mois, des mois et des années, je crois. Elle était focus uniquement sur le résultat. Le résultat, c'est qu'elle voulait être maman, elle voulait être maman, elle voulait être maman, elle voulait être maman. Et ça n'arrivait pas, ça n'arrivait pas, elle était frustrée, elle était en colère, elle comprenait pas pourquoi, elle se sentait victime, elle comprenait pas pourquoi elle, avait, elle réussissait pas, donc ça a commencé à créer des tensions dans son couple, etc. Puis en fait, elle a appris, elle a compris qu'il fallait que justement elle prenne du recul et qu'elle arrête de se focaliser sur ce résultat, mais qu'elle se concentre plutôt sur tout le processus et surtout sur ce qui était déjà là. Et du coup, en fait, au lieu de vouloir absolument devenir maman, elle voulait devenir maman, mais elle a mis ce, ce résultat de côté. Et elle s'est concentrée en fait sur tout ce qui était déjà là. La relation avec son mari, euh, la relation avec son corps, la bienveillance qu'elle se donnait, son alimentation, etc. Tout, vraiment tout ce qui était déjà là et tout le processus qu'elle était en train de vivre. Et elle est tombée enceinte en quelques semaines. Et je trouve que c'est dingue, absolument dingue. Enfin, dingue. Surprenant, mais pas surprenant du tout en fait. Enfin, pas surprenant du tout. On sait très bien que l'univers conspire à, à réaliser tout ce qu'on qu veut créer mais voilà c'est une autre belle image je trouve moi je suis pas maman je peux pas donner cet exemple là et j'essaie pas d'avoir d'enfant pour le coup mais je trouve que c'est voilà, un exemple qui est très parlant voilà donc l'idée c'est vraiment de comprendre que tout ce à quoi tu résistes persiste donc plus tu résistes à ce qu'un autre résultat se produise ou au processus que tu dois vivre pour créer ce résultat là plus la résistance persiste et l'absence de ce résultat là persiste en fait c'est simplement ça donc plus tu résistes à l'absence de ce résultat plus tu plus l'absence de ce résultat persiste. Et ça, c'est très, très important aussi de, de, voilà, de comprendre qu'il y a cette notion de lâcher prise à, à cultiver et cette notion de gratitude aussi à cultiver pour ce qui est déjà là. Beaucoup de gratitude pour OK, qu'est-ce qui est présent déjà là à ce moment-là. Donc, par exemple, si, si vous avez un objectif. Quel qu'il soit, donc un objectif professionnel, un objectif euh, personnel, par exemple, si vous avez envie de passer euh, un diplôme de yoga parce que ça vous fait du bien pour vous et que votre objectif c'est d'avoir un, un diplôme de euh, 200 heures de prof de vinyasa yoga, etc. Et que euh, vous, ce que vous voulez, c'est absolument avoir votre diplôme, absolument avoir votre diplôme, etc. Euh, vous allez être stressé parce que vous êtes en train d'essayer de contrôler le résultat. Euh, vous allez euh, vous mettre peut-être beaucoup la pression. Enfin, il y a plein de choses en fait qui se passent quand, qui sont pas agréables quand on se met la pression du résultat. Si vous basculez dans ce lâcher-prise du processus d'apprécier vos classes, vos enseignements et la fluidité que vous observez, mais qu'en plus de ça, vous vous êtes focalisé sur, sur ce qui est déjà là, sur votre corps, votre rapport à votre corps, à la musique, votre rapport au yoga, votre méditation, votre respiration, les enseignements que vous recevez, sur tout ce qui est déjà là, c'est là que la magie opère. Donc la clé pour moi de la réussite d'un objectif, c'est j'écris cet objectif et ensuite je lâche prise et j'exprime ma gratitude. Et par rapport à la gratitude, Joe Dispenza dit qu'une des manières les plus fortes de pouvoir créer avec l'univers, c'est de savoir exprimer une gratitude pour quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et ça passe notamment, alors petit exemple, ça passe notamment par tout ce qui est visualisation. Quand on pratique la visualisation, donc le concept, c'est pas juste de voir ce qu'on a envie qui nous arrive, c'est de voir et d'être capable de ressentir ce qui se passe comme si c'était déjà, déjà là, déjà arrivé, avec les émotions, etc. Vraiment de le vivre, de le ressentir. Et quand on est dans cette phase-là, on est déjà dans de la création quantique. On est déjà en train de créer cette chose-là. Cette chose est déjà en route vers nous. Donc typiquement, moi, par rapport à ma guérison, je pratique de la visualisation très souvent par rapport à mes guérisons, et quand je vois, je, quand je me vois guérie dans ces moments-là, alors je me vois en train de rigoler, de faire la landouille, de de tirer la langue, de faire des grimaces, etc., mais vraiment de bondir de joie. Je suis capable de ressentir les émotions que cette Chloé guérie ressent. Je rigole, je pleure, je souris, vraiment, je, je, les, je les ressens très très fort. Et le fait de faire ça, je suis déjà en train de manifester. Ma guérison est déjà en route vers moi. Voilà. Donc, euh, un des moyens de, de créer, d'atteindre aussi un résultat, c'est voilà lâcher, lâcher prise, mais surtout être capable d'exprimer déjà de la gratitude pour ce qui va se passer, de ressentir cette gratitude future, de visualiser, de ressentir ça comme si c'était déjà arrivé. En plus d'apprécier tout le processus, etc., etc. Voilà. Voilà, donc, pour ce, ce, petit, ce petit épisode, finalement, je pensais que ça allait être court, mais pas tant que ça, euh, sur tout ce qui est objectif. Donc, en fait, en termes très euh, résumés, euh, foutez-vous la paix avec vos objectifs. Écrivez-les si vous voulez. Écrivez ce qui est vraiment important pour vous. faut vraiment que ça résonne. faut vraiment que vous sachiez pourquoi vous le faites. Et puis, juste après, fichez-vous la paix. Concentrez-vous sur ce qui est déjà là. Sachez exprimer la gratitude pour ce que vous avez déjà. Déjà, qui est là, parce que ce qui est déjà là, vous ne le perdrez jamais, en fait. C'est déjà là. Et focaliser, donc, donc sur toute l'abondance qui est déjà là, et focaliser sur l'appréciation du processus. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. C'était une petite réflexion comme ça euh, que j'ai eue récemment et je me suis dit que ça serait euh, fort euh, opportun pour cette nouvelle année. Voilà, n'est-ce pas Comme d'habitude, si vous avez envie d'approfondir le sujet, vous savez que vous aurez un exercice écrit dans la Bloom Academy. N'hésitez pas, vous avez les notes gratuites du podcast, etc. de toute façon qu'on vous donne. Et puis pour ceux qui rejoignent la Boom Academy au mois de janvier, le mois de janvier, euh, c'est sur le thème de la kundalini, l'énergie kundalini. Donc euh, je vais partager aussi pas mal mon expérience dessus, puis vous avez des très chouettes intervenants. Euh, et je pense que je vous ferai un épisode de podcast aussi dessus parce que ça m'a été très demandé. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si c'est quelque chose qui peut aussi vous plaire. Sur ces paroles, je vous embrasse fort, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Prenez bien soin de vous et merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout.